On peut pas discuter ici. Non, Connor a dit à Willa de venir. Willa va venir? T'as raison, j'ai pas envie de voir ça. Contrairement à moi, Connor a aucun sens de la décence. C'est quoi cet endroit? Ouais, c'est gigantesque, mais au moins y a personne. Eh oh! On va jouer une pièce? Non, je voulais juste te faire part de ma réflexion. Je pense que c'est un moment difficile pour Marcia. Ouais, quel dilemme. Tu crois qu'elle va placer tout son fric dans l'or ou le pétrole? Non, arrête, je suis sérieux. Ce trust n'est effectif qu'à certaines conditions et dans certaines circonstances. Ouais, et la mort cérébrale en fait partie. Ouais, alors, je me disais, tu crois pas que ça ferait plaisir à papa de se réveiller et de trouver ses contrats signés comme il nous l'avait demandé? Ce serait un joli cadeau, non? Et s'il se réveille pas? T'es conscient qu'on aura donné les pleins pouvoirs à Marcia pour élire qui elle veut? Donc, ok. Alors, que ce soit bien clair, tu refuses de signer le trust et tu n'as rien à ajouter. Tu t'entends, là? Ouais. Tu te prends pour McCarthy, maintenant? C'est pas que je refuse, c'est juste que ça me plaît pas, mais je vais pas... Ok. Non. Disons seulement que ça me semble assez culotté, vu les circonstances. Quelles circonstances? Bah, t'as bousillé le cerveau de son mari. Va te faire mettre. Ah, va chier, espèce de connard. C'est bon, on est quitte, là. Je te reste, sale forêt. Grosse malade mentale.